Nous allons parler d'un pliage lunatique et surtout fantastique. De quoi il s'agit? En pliant une feuille de papier en deux, on double son épaisseur, évidemment. Et en la pliant encore une fois, on quadruple son épaisseur, ainsi de suite. Alors, l'épaisseur d'une feuille de papier, c'est 0,1 mm. Combien de fois faudrait-il plier une feuille de papier à 4, cette feuille à 4, pour obtenir la distance de la Terre à la Lune? On signale que la distance Terre-Lune est de 384 400 km. Alors, comment pourrons-nous trouver ce pliage impossible, mais théoriquement possible? Si on plie une fois, donc ça va doubler, donc ça va être 0,1 mm fois 2. Quand on multiplie, on le plie une fois. Quand on multiplie la deuxième fois, troisième fois, et constatez que fois 2, fois, allez, fois 2, je ne sais pas combien de fois, mais ce nombre de fois, on va l'appeler n, n fois. Il faudrait que ce résultat dépasse, oui, dépasse 384 400 km. Comme ce sont des millimètres ici, je rajoute 3 unités pour les mètres et encore 3 zéros pour les millimètres. Et voilà, tout est en millimètres. Alors, je vais taper à la calculette 0,1 fois 2 puissance. Vous avez essayé plusieurs puissances. Moi, j'essaie la puissance 41. 2 puissance 41, est-ce que ça va être plus grand que ce nombre? Ce nombre, ça s'écrit en forme scientifique. 3,84 fois 10 puissance. Vous avez compté combien il y en a? 9, 10, 6, 9. Donc, 10. Voilà. 9, 11, voilà. Et autrement dit, 2 puissance 41 doit être plus grand que 3,84 fois 10 puissance 12. Alors, tapez la calculette et vérifiez si c'est vrai. Puissance 41 est environ 2,19 fois 10 puissance 12. Mais 2 puissance 42, c'est environ 4,3 fois 10 puissance 12. Et ce nombre dépasse le 3,8 dont on a causé tout à l'heure. 3,8 fois 10 puissance 12. Et pas celui-ci. Conclusion, il faut plier 42 fois notre feuille de papier pour arriver de la Terre jusqu'à la Lune. Pratiquement, c'est pas possible, mais si on pense qu'il faut plier juste 42 fois une feuille de papier pour arriver de la Terre à la Lune, cela veut dire que la puissance des puissances est très grande. Que la force des puissances soit avec vous.